Passer
Allez, va chercher, Gilou. Va chercher. Allez. Là, il veut des swings. Eh ben, il va en avoir. Voilà. T'es prêt? C'est bon, vas-y. 4. Dans les...
les affirmer le match. Ouais, Ouais, donc vous avez compris 5 ou pas? On a fait une réunion syndicale hier et avec les copains, on a décidé 10h30, c'est la pause. Voilà. Et 10h30, c'est la pause. Allez, hop, allez, on mange les gars. N'importe quoi. Alors là les petits, laissez-moi vous raconter que pour moi, bah maintenant c'est le meilleur moment de la journée. Parce qu'en fait pendant que les employés sont en pause, et bah, je compose. Alors tu comprends? Mesdames et messieurs, enchantés, laissez-moi donc me présenter. Je suis le concierge du bâtiment et je vais vous le chanter bien gentiment. Un beau jour dans cette belle bâtisse, ma mère fatiguée de pousser et à ses côtés, mon père criait « Oh, ils m'ont éjecté, puis là je suis né ». Et dans la poussière de la cave, j'ai grandi entre les cafards, les bulots et les souris. En dessous du lieu de travail de mon père, on vivait tous trois ensemble, c'était bien, mais quelle galère. Et après 20 ans de misère, mon vieux père vu enfin la lumière, promotion de carrière. Et quelques années plus tard, il n'allait pas mieux et mourrait soudainement, des tumeurs entre les yeux. Ayant déjà passé l'âge de l'adolescence et voulant aider ma mère qui était en pleine souffrance, accepta la proposition du grand patron, allez, les mourons dans la danse, c'est bosse comme un con. Et ceci s'est passé il y a déjà 25 ans et me voici aujourd'hui des gens devant vous en chantant. Vous voyez comme une concierge n'est pas si évident, surtout quand on ne gagne pas plus d'un sou par an. Pas plus d'un sou par an. Je viens de me faire plaquer comme vieille serpillère. Je me suis fait jeter, j'en ai marre. C'est un sale métier, c'est une sale vie, j'en peux plus. Aïe, 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 aïe. Allez, reprends-le. En plus, c'est l'autre qui commence à gueuler. Allez, 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 comment tu veux que je chante après un truc comme ça? Elle a fait une chanson de circonstance, je sais pas. Thank you.
Je l'aime bien.
pas aimé. Ah non, je crois pas, non. Oui, je vous prends la chine, toi. Allez, on t'a fait un sourire, la vache, la patate. Ah, on a tout à dire, la fonte, on peut pas faire des erreurs. T'es viré. T'es licencié. T'auras plus de chômage, t'auras plus de paye. Plus mutuel. Mais c'est pas vrai, ça s'acharne sur moi ou quoi? Mais il peut pas me laisser tranquille! Il voit pas que c'est ma vie qui tient au bout d'un fil! Hein? Lui il est pédard dans son fauteuil! Moi pendant ce temps-là, j'en casse son portefeuille quoi! Quoi que je fasse, il est jamais content quoi! Je vais serrer les fesses encore longtemps quoi! Hein? Les gars, aidez-moi, qu'est-ce que je dois faire quoi? Je vais finir par faire pipi par terre, ça continue! C'est toi, papa! Il voulait juste faire pipi, hein! Reviens ici, ma fille, ne traite pas avec les ouvriers! Bon, Bertrand, c'est pas très grave, finalement. Finalement, c'est pas si grave que ça, c'est ta femme t'a quitté. Bon, ok. Bon, t'as plus de boulot. Ouais, vas-y, ça fait plaisir. Ouais, ok, t'as plus de boulot, tu seras pas de paix à la fin du mois. Hein? Bon, c'est pas moi que je vais faire pour manger, mais tu sais, tout ça, c'est la vie. Bah, c'est la vie, ouais, c'est la vie. Attends, on va te l'expliquer en chanson. J'ai une chanson pour toi. Si je peux bien, ouais. Allez, une chanson. Écoute bien.
contre l'oppression du patronat. Ouais, ouais. Des comités d'entreprise. Oui. Contre les patrons qui récupèrent le fruit de nos efforts, révoltons-nous. Ouais. Debout salariés, debout camarades. Ouais. Contre le citoyen patron bourgeois, au bout de 100 jours de grève, il comprendra qu'il a besoin de nous pour gagner de l'argent. Ça va. Allez, tous ensemble, camarades.
Félix, de son petit nom Gilou. Allez Gilou. Serge, venu vous faire la musique pendant la pause. Mais c'est bien. Alors on va se faire Vladimir. Nous Vladimir. Alors à la bourse. Dédé, Dédé qui a dû passer, vous avez dû le voir. Et ensuite, on a tous les figurants qui sont restés derrière. Il y a, allez, il y a Laura. Notre patron. Allez, pas mort. Bravo, 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 bravo,